Je ne sais pas quand je ne peux guérir une bonne adresse. Oh, je suis d'une cruelle étourderie. Il m'est impossible de prendre sur moi de me rappeler votre jour. Et toutes les fois que j'ai envie de vous voir, cela ne manque jamais d'être un mardi. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Non. Mais en le supposant, je ne pourrai pas. Car c'est un hasard que vous soyez seul. Et vous allez avoir d'ici à un quart d'heure une cohue d'amis intimes qui me fera sauver, je vous en avertis. Il est vrai que c'est toujours du bon jour. Je ne sais trop pourquoi j'en ai un. C'est une mode. Tu as pourtant sa raison. Nos mères laissaient leurs portes ouvertes. La bonne compagnie n'était pas nombreuse et se bornait pour chaque cercle à une fournée d'ennuyeux qu'on avalait à la rigueur. Maintenant, dès qu'on reçoit, tout Paris. Et tout Paris, à l'heure où nous sommes, c'est bien réellement Paris tout entier, ville et faubourg. Quand on est chez soi, on est dans la rue. Il fallait bien trouver un remède. De là vient que chacun a son jour. C'est la seule manière de se voir le moins possible. Et quand on dit « je suis chez moi le mardi », il est clair que c'est comme si on disait « le reste du temps, laissez-moi tranquille ». Je n'en ai que plus de tort de venir aujourd'hui, puisque vous me permettez de vous voir dans la semaine. Prenez votre parti et mettez-vous là. Si vous êtes de bonne humeur, vous parlerez, sinon, chauffez-vous. Je ne compte pas sur grand monde aujourd'hui. Vous regarderez défiler ma petite lanterne magique. Mais qu'avez-vous, vous me semblez... Quoi? Pour ma gloire, je ne peux pas le dire. Ma foi, je vous l'avouerai. Avant d'entrer ici, je l'étais un peu. Quoi? Je le demande à mon tour. Vous fâcherez-vous si je vous le dis? J'ai un bal ce soir où je veux être jolie et je ne me fâcherai pas de la journée. Eh bien, j'étais un peu ennuyée. Je ne sais ce que j'ai, c'est un mal à la mode, comme vos réceptions. Je me désole depuis midi, j'ai fait 4 visites sans trouver personne. Je devais dîner quelque part, je me suis excusé sans raison. Il n'y a pas un spectacle ce soir. Je suis sorti par un temps glacé, je n'ai vu que des nez rouges et des joues violettes. Je ne sais que faire, je suis bête à faire plaisir. Je vous en offre autant, je m'ennuie à crier. C'est le temps qu'il fait, sans doute. Le fait est que le froid est odieux. L'hiver est une maladie. Les badauds voient le pavé propre, le ciel clair, et quand un vent bien sec leur coupe les oreilles, ils appellent cela une belle gelée. Ce qui dirait une belle fluxion de poitrine. Bien obligé de ces beautés-là. Je suis plus que de votre avis. Mais enfin, il me semble que mon ennui me vient moins de l'air du dehors, tout froid qu'il est, que de celui que les autres respirent. C'est peut-être que nous vieillissons. Je commence à avoir 30 ans et je perds le talent de vivre. Je n'ai jamais eu ce talent-là. Et ce qui m'épouvante, c'est que je le gagne. En prenant des années, on devient plat ou fou. Et j'ai une peur atroce de mourir comme un sage. Sonnez pour qu'on mette une bûche au feu. Votre idée me gèle. Ce n'est pas la peine, on sonne à la porte et votre procession arrive. Voyons quelle sera la bannière. Surtout, tâchez de rester. Non, décidément, je m'en vais. Où allez-vous? Je n'en sais rien. Adieu, madame, à jeudi soir. Pourquoi jeudi? N'est-ce pas votre jour aux Italiens? J'irai vous faire une petite visite. Je ne veux pas de vous, vous êtes trop maussade. D'ailleurs, j'y mène monsieur Camus. Monsieur Camus? Votre voisin de campagne? Il m'a vendu des pommes et du foin avec beaucoup de galanterie et je tiens à lui rendre sa politesse. C'est bien vous, par exemple. Mais l'être le plus ennuyeux, on devrait le nourrir de sa marchandise. Et à propos, savez-vous ce qu'on dit? Non. Mais on ne vient pas, qui donc avait sonné? Personne. Une petite fille, je crois, avec un carton, je ne sais quoi. Une blanchisseuse. Elle est là, dans la cour, qui parle à vos gens. Vous appelez ça je ne sais quoi, vous êtes poli, c'est mon bonnet. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit de moi et de monsieur Camus? Fermez donc cette porte, il vient un vent horrible. On dit que vous pensez à vous remarier. Que monsieur Camus est millionnaire et qu'il vient chez vous bien souvent. En vérité. Et pas plus que cela. Et vous me dites ça au nez, tout bonnement.
Je vous le dis parce qu'on en parle. C'est une belle raison. Parce que je vous répète tout ce qu'on dit de vous aussi par le monde. De moi, madame? Et que peut-on dire, s'il vous plaît, qu'il ne puisse pas se répéter? Enfin, vous voyez bien que tout peut se répéter. Je suis à la veille d'être annoncée madame Camus. Ce qu'on dit de vous est au moins aussi grave, car il paraît, malheureusement, que c'est vrai. Et quoi donc? Vous me feriez peur. Preuve de plus qu'on ne se trompe pas. Expliquez-vous, je vous en prie. Ah, pas du tout. Ce sont vos affaires. Je vous en supplie, marquise. Je vous le demande en grâce. Vous êtes la personne du monde dont l'opinion a le plus de prix pour moi. L'une des personnes, vous voulez dire? Non, madame, je dis la personne. Celle dont l'estime, le sentiment... Ah, ciel, vous allez faire une phrase. Mais pas du tout. Si vous ne voyez rien, c'est qu'apparemment, vous ne voulez rien voir. Voir quoi? Cela s'entend de reste. Je n'entends que ce qu'on me dit. Et encore, pas des deux oreilles. Vous riez de tout, mais sincèrement, serait-il possible que depuis un an, vous voyant presque tous les jours, faites comme vous êtes, avec votre esprit... Ah, mais mon Dieu, c'est bien pire qu'une phrase que vous me faites là, c'est une déclaration. Avertissez au moins, est-ce une déclaration ou un compliment de bonne année? Et si c'était une déclaration? Oh, c'est que je n'en veux pas ce matin. Je vous ai dit que j'allais au bal, je suis exposée à en entendre ce soir. Ma santé ne me permet pas ces choses-là deux fois par jour. En vérité, vous êtes décourageante. Et je me réjouirai de bon cœur quand vous y serez prise à votre tour. Moi aussi, je m'en réjouirai. Voyez-vous, il y a des instants où je donnerais de grosses sommes pour avoir seulement un petit chagrin. Tenez, j'étais comme cela pendant qu'on me coiffait, pas plus tard que tout à l'heure. Je poussais des soupirs à me fendre l'âme de désespoir de ne penser à rien. Raillez, raillez, vous y viendrez. C'est bien possible, nous sommes tous mortels. Si je suis raisonnable, à qui la faute? Je vous assure que je ne me défends pas. Vous ne voulez pas qu'on vous fasse la cour? Non. Je suis très bonne, mais quant à cela, c'est par trop bête. Dites-moi un peu, vous qui avez le sens commun, qu'est-ce que ça signifie, cette chose-là, faire la cour à une femme? Cela signifie que cette femme vous plaît et qu'on est bien aise de le lui dire. À la bonne heure. Et cette femme, cela lui plaît-il à elle de vous plaire? Vous me trouvez jolie, je suppose. Cela vous amuse de m'en faire part, et après? Qu'est-ce que cela prouve? Est-ce une raison pour que je vous aime? J'imagine que si quelqu'un me plaît, ce n'est pas parce que je suis jolie. Qui gagne-t-il à ses compliments? La belle manière de se faire aimer d'une femme, que de venir se planter devant elle avec un lorgnon, de la regarder des pieds à la tête, comme une poupée dans un étalage, et de lui dire... bien agréablement, madame, je vous trouve charmante. Joignez à cela quelques phrases bien fades, un tour de valse, un bouquet, et voilà pourtant ce qu'on appelle faire sa cour. Mais fi donc, comment un homme d'esprit peut-il prendre goût à ces niaiseries-là? Ça me met en colère quand j'y pense. Il n'y a pourtant pas de quoi se fâcher. Ma foi, si. Il faut supposer à une femme une tête bien vide et un grand fond de sottise pour se figurer qu'on la charme avec de pareils ingrédients. Croyez-vous que ce soit bien divertissant de passer sa vie au milieu d'un déluge de fadaises, d'avoir du matin au soir les oreilles pleines de balivernes? Il me semble en vérité que si j'étais homme et si je voyais une jolie femme, je me dirais voilà une pauvre créature qui peut être bien assommée de compliments et je l'épargnerais, j'aurais pitié d'elle. Et si je voulais tâcher de lui plaire, je lui ferais l'honneur de lui parler d'autre chose que de son malheureux visage. Mais non, toujours, vous êtes jolie. Et puis, vous êtes jolie, et encore jolie. Ma foi, on le sait bien. Voulez-vous que je vous dise? Vous autres hommes à la mode, vous n'êtes que des confiseurs déguisés. Eh bien, madame, vous êtes charmante. Prenez-le comme vous voudrez. On sonne de nouveau. Adieu. Je me sauve. Attendez donc, j'avais à vous dire... Je ne sais plus du tout ce que c'était. Ah oui, passez-vous par hasard du côté de Fossin dans vos courses? Ce ne sera pas par hasard, madame, si je puis vous être bon à quelque chose. Encore un compliment, que vous m'ennuyez. Bon, c'est une bague que j'ai cassée. Bon, je pourrais bien l'envoyer tout bonnement, mais c'est qu'il faut que je vous explique. Tenez, voyez-vous, c'est le chaton. Il y avait là une petite pointe, vous voyez bien, n'est-ce pas? Ça s'ouvrait de côté, par là, je l'ai heurté ce matin, je ne sais où, le ressort a été force. Dites donc, marquise, sans indiscrétion, il y avait des cheveux là? Peut-être bien, qu'avez-vous à rire? Je ne ris pas le moins du monde. Vous êtes un impertinent, ce sont des cheveux de mon mari. Et personne
personne ne vient, qui donc avait sonné? Une autre petite fille et un autre carton. Encore un bonnet, je suppose. À propos, avec tout cela, vous me devez une confidence. Fermez donc cette porte, vous me glacez. Je m'en vais. Mais vous me promettez de me répéter ce qu'on vous a dit de moi, n'est-ce pas, Marquise? Venez ce soir au bal, nous causerons. Ah, parbleu, oui. Causer dans un bal, joli endroit de conversation, avec accompagnement de trombone et un tintamarre de verre d'eau sucrée. L'un vous marche sur le pied, l'autre vous pousse le coude, pendant qu'à la quête ou poissée, vous fourrez une glace dans votre poche. Je vous demande un peu si c'est là... Mais vous restez ou sortir? Je vous répète que vous m'enrhumez. Puisque personne ne vient, qu'est-ce qui vous chasse? C'est que je me sens, malgré moi, de si mauvaise humeur que je crains vraiment de vous excéder. Il faut décidément que je cesse de venir chez vous. C'est honnête. Et à propos de quoi? Je ne sais pas. Mais je vous ennuie. Vous me le disiez vous-même tout à l'heure, je le sens bien, c'est très naturel. C'est ce malheureux logement que j'ai là en face. Je ne peux pas sortir sans regarder vos fenêtres. J'entre ici machinalement sans réfléchir à ce que j'y viens faire. Si je vous ai dit que vous m'ennuyez ce matin, c'est que ce n'est pas une habitude. Sérieusement, vous me feriez de la peine. J'ai beaucoup de plaisir à vous voir. Vous? Pas du tout. Savez-vous ce que je vais faire? Je vais retourner en Italie. Ah? Et que dira mademoiselle? Quelle demoiselle, s'il vous plaît? Mademoiselle, je ne sais qui. Mademoiselle, votre protégée. Est-ce que je sais le nom de vos danseuses? Ah, c'est donc là ce beau propos qu'on vous a tenu sur mon compte? Précisément. Est-ce que vous niez? C'est un compte à dormir debout. Il est fâcheux qu'on vous ait vu très distinctement au spectacle l'autre soir, avec un certain chapeau rose à fleurs, comme il n'en fleurit qu'à l'opéra. Vous êtes dans les cœurs, mon voisin. Cela est connu de tout le monde. Comme votre mariage avec Monsieur Camus. Vous y revenez? Eh bien, pourquoi pas. Monsieur Camus est un fort honnête homme. Il est plusieurs fois millionnaire. Son âge, bien qu'assez respectable, est juste à point pour un mari. Je suis veuve, il est garçon. Il est très bien quand il a des gants. Et un bonnet de nuit. Cela doit lui aller. Voulez-vous bien vous taire, s'il vous plaît, est-ce qu'on parle de choses pareilles? Dame, à quelqu'un qui peut les voir. Ce sont apparemment ces demoiselles qui vous apprennent ces jolies façons-là. Tenez, Marquise, je vous dis adieu, vous me feriez dire quelques sottises. Quel excès de délicatesse. Non. Vous, en vérité, vous êtes trop cruelle. C'est bien assez de défendre qu'on vous aime sans m'accuser des mérailleurs. De mieux en mieux, quel temps tragique. Moi, je vous ai défendu de m'aimer. Certainement. De vous en parler, du moins. Oh, eh bien, je vous le permets. Voyons votre éloquence. Si vous le disiez sérieusement. Que vous importe, pourvu que je le dise. C'est que tout en riant, il pourrait bien y avoir quelqu'un ici qui courut des risques. Oh, de grands périls, monsieur? Peut-être, madame, mais par malheur, le danger ne serait que pour moi. Quand on a peur, on ne fait pas le brave. Bien. Voyons. Vous ne dites rien? Vous me menacez, je m'expose et vous ne bougez pas. Je m'attendais au moins à vous voir vous précipiter à mes pieds comme Roderick. Monsieur Camus lui-même, il y serait déjà à votre place. Cela vous divertit donc beaucoup de vous moquer du pauvre monde. Et vous, cela vous surprend donc bien qu'on ose vous braver en face? Prenez garde. Si vous êtes brave, j'ai été hussard. Moi, madame, je suis bien aise de vous le dire, il n'y a pas encore si longtemps. Vraiment? À la bonne heure, une déclaration de hussard, cela doit être curieux. Je n'ai jamais vu cela de ma vie. Voulez-vous que j'appelle ma femme de chambre? Je suppose qu'elle saura vous répondre. Vous me donnerez une petite représentation. Encore cette sonnerie. Adieu donc, marquise. Je ne vous en tiens pas quitte, au moins. Ce soir, toujours, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est ce bruit que j'entends? C'est le temps qui vient de changer. Il pleut et il vient à faire plaisir. On vous apporte un troisième bonnet. Et je crains bien qu'il arrive dedans. Ce tapage-là, est-ce que c'est le tonnerre en plein mois de janvier? Et les almanachs? Non! C'est seulement un ouragan! Une espèce de trombe qui passe! Ah, c'est effrayant! Fermez la porte! Vous ne pouvez pas sortir de ce temps-là. Qu'est-ce qui peut provoquer une chose pareille? Madame, c'est la colère céleste qui châtie les carreaux de vitre, les parapluies, les mollets des dames et les tuyaux de cheminée. Les chevaux qui sont sortis! Il n'y a pas de danger pour eux. S'il ne leur tombe rien sur la tête... Plaisantez donc à votre tour. Je suis très propre, moi, monsieur. Je n'aime pas à crotter mes chevaux.
C'est inconcevable, non? Tout à l'heure, il faisait le plus beau ciel du monde. Vous pouvez bien compter, par exemple, qu'avec cette gale, vous n'aurez personne. Voilà un jour de moins parmi vos jours. Non pas. Puisque vous êtes venu. Poussez donc votre chapeau qui m'impatiente. Un compliment, madame. Prenez garde. Vous qui faites profession de les haïr, on pourrait prendre les vôtres pour la vérité. Et je vous le dis, et c'est très vrai. Vous me faites grand plaisir en venant me voir. Alors laissez-moi vous aimer. Et je vous le dis aussi, je le veux bien. Ça ne me fâche pas le moins du monde. Alors laissez-moi vous en parler. À la hussarde, n'est-il pas vrai? Non, madame. Soyez convaincue qu'à défaut de cœur, j'ai assez de bon sens pour vous respecter. Mais il me semble qu'on a bien le droit, sans offenser une personne qu'on respecte... D'attendre que la pluie soit passée. N'est-ce pas? Vous êtes entré ici tout à l'heure sans savoir pourquoi. Vous l'avez dit vous-même. Vous étiez ennuyé, vous ne saviez que faire. Vous pouviez même passer pour assez grognon. Si vous aviez trouvé ici trois personnes, les premières venues, là, à l'heure qu'il est, vous discuteriez littérature, chemin de fer, après quoi vous iriez dîner. C'est donc parce que je me suis trouvée seule avec vous que vous vous sentez obligée. Oui, obligée. Pour votre honneur, de me faire cette même cour, cette éternelle, insupportable cour, qui est une chose si ridicule, si inutile. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'il arrive ici une visite, vous allez peut-être avoir de l'esprit. Mais je suis seule, voilà plus banal qu'un couplet de vos villes. Et vite, vous abordez votre thème. Si je voulais vous écouter, vous m'exhiberiez une déclaration, vous me réciteriez votre amour. Savez-vous de quoi les hommes ont l'air en pareil cas? De ces pauvres auteurs sifflés, qui ont toujours un manuscrit dans leur poche, quelques tragédies inédites et injouables, et qui tirent cela pour vous en assommer dès que vous êtes seul un quart d'heure avec eux. Ainsi, vous me dites que je ne vous déplais pas, je vous réponds que je vous aime, et puis c'est tout, à votre avis. Vous ne m'aimez pas plus que le grand Turc. Oh, mais par exemple, c'est trop fort. Écoutez-moi un seul instant, et non, si vous ne me croyez pas non, sincère... Non, non et non. Croyez-vous que je ne sache pas ce que vous allez me dire? Écoutez, j'ai très bonne opinion de vos études, mais parce que vous avez de l'éducation, pensez-vous que je n'ai rien lu? Tenez, je connaissais un homme d'esprit qui avait acheté, je ne sais où, une collection de 50 lettres. Assez bien faite, très proprement écrite, des lettres d'amour, bien entendu. Ces 50 lettres étaient graduées dans une sorte de petit roman où toutes les situations étaient prévues. Il y en avait pour les déclarations, pour les dépits, pour les espérances, pour les moments d'hypocrisie où on se rabat sur l'amitié, pour les brouilles, pour les désespoirs, pour les moments de jalousie, pour la mauvaise humeur, et même pour les jours de pluie, comme aujourd'hui. J'ai lu ces lettres. L'auteur prétendait, dans une sorte de préface, en avoir fait usage pour lui-même et n'avoir jamais connu une femme qui résista plus loin que le 33e numéro. Eh bien, j'ai résisté, moi, à toute la collection. Je vous demande si j'ai de la littérature et si vous pourriez vous flatter de m'apprendre quelque chose de nouveau. Vous êtes bien blasée, marquise. Des injures. J'aime mieux cela, c'est moins fade que vos sucreries. Oui. En vérité, vous êtes bien blasée. Vous croyez? Eh bien, pas du tout. Comme une vieille anglaise, mère de 14 enfants. Comme la plume qui danse sur mon chapeau. Vous vous figurez donc que c'est une science bien profonde de vous savoir tous par cœur. Il n'y a pas besoin d'étudier pour apprendre, il n'y a qu'à vous laisser faire. Réfléchissez, c'est un calcul bien simple. Les hommes assez braves pour respecter nos pauvres oreilles et ne pas tomber dans la sucrerie sont extrêmement rares. D'un autre côté, il n'est pas contestable que dans ces tristes instants où vous tâchez de mentir pour essayer de plaire, vous vous ressemblez tous comme des capucins de cartes. Heureusement pour nous, la justice du ciel n'a pas mis à votre disposition un vocabulaire très varié. Vous n'avez tous, comme on dit, qu'une chanson. En sorte que le seul fait d'entendre les mêmes phrases, la seule répétition des mêmes mots, des mêmes gestes apprêtés, des mêmes regards tendres, le spectacle seul de ces figures, qui peuvent être plus ou moins bien par elles-mêmes, mais qui prennent toutes
Dans ces moments funestes, vous tâchez de mentir. La même physionomie humblement conquérante. Cela nous sauve par l'envie de rire. Ou du moins, par le simple ennui. Si j'avais une fille, et si je voulais la préserver de ces entreprises qu'on appelle dangereuses, je me garderais bien de lui défendre d'écouter la pastorale de ses valseurs. Je lui dirais seulement, n'en écoute pas un seul, écoute-les tous. Ne ferme pas le livre, ne marque pas la page, laisse-le ouvert. Laisse ces messieurs te raconter leurs petites drôleries. Si par malheur il y en a un qui te plaît, ne t'en défends pas. Attends seulement. Il en viendra un autre, tout pareil, qui te dégoûtera de tous les deux. Tu as 15 ans, je suppose. Eh bien, mon enfant, cela ira ainsi jusqu'à 30, et ce sera toujours la même chose. Voilà mon histoire et ma science. Appelez-vous cela être blasé? Horriblement, si ce que vous dites est vrai, et cela semble si peu naturel que le doute pourrait être permis. Est-ce que cela me fait que vous me croyez ou non? Encore mieux. Est-ce bien possible? Quoi, à votre âge, vous méprisez l'amour? Les paroles d'un homme qui vous aime vous font l'effet d'un méchant roman. Ses regards, ses gestes, ses sentiments vous semblent une comédie. Vous vous piquez de dire vrai et vous ne voyez que mensonge dans les autres. Mais d'où revenez-vous donc, marquise? Qu'est-ce qui vous a donné ces maximes-là? Je reviens de loin, mon voisin. Oui, de nourrice. Quand les femmes s'imaginent qu'elles savent toutes choses au monde, elles ne savent rien du tout. Je vous le demande à vous-même, quelle expérience pouvez-vous avoir? Celle de ce voyageur qui, à l'auberge, avait vu une femme rousse et qui écrivait sur son journal « Les femmes sont rousses dans ce pays-ci ». Je vous avais prié de mettre une bûche au feu. Être prude, cela se conçoit. Dire non, se boucher les oreilles, haïr l'amour, cela se peut, mais le nier. Quelle plaisanterie! Vous découragez un pauvre diable en lui disant « Je sais ce que vous allez me dire ». Mais n'est-il pas en droit de vous répondre « Oui, madame, vous le savez peut-être, et moi aussi, je sais ce qu'on dit quand on aime, mais je l'oublie en vous parlant ». Rien n'est nouveau sous le soleil, mais je dis à mon tour, qu'est-ce que cela prouve? À la bonne heure, vous parlez très bien. À peu de choses près, c'est comme un livre. Oui, je parle. Je vous assure que si vous êtes tel qu'il vous plaît de le paraître, je vous plains, très sincèrement. À votre aise, faites comme chez vous. Il n'y a rien là qui puisse vous blesser. Si vous avez le droit de nous attaquer, n'avons-nous pas raison de nous défendre? Quand vous nous comparez à des auteurs sifflés, quels reproches croyez-vous nous faire? Eh hey, mon Dieu, si l'amour est une comédie... Le feu ne va pas, la bûche est de travers. Si l'amour est une comédie, cette comédie vieille comme le monde, sifflée ou non, est au bout du compte ce qu'on a encore trouvé de moins mauvais. Les rôles sont rebattus, j'y consens. Mais si la pièce ne valait rien, tout l'univers ne la saurait pas par cœur. Et je me trompe en disant qu'elle est vieille et s'être vieux qu'être immortel. Monsieur, voilà de la poésie. Non, madame, mais ces fadaises, ces balivernes qui vous ennuient, ces compliments, ces déclarations, tout ce radotage sont de très bonnes anciennes choses. Convenues, si vous voulez, fatigantes, ridicules parfois, mais qui en accompagnent une autre, laquelle est toujours jeune. Vous vous embrouillez. Qu'est-ce qui est toujours vieux et qu'est-ce qui est toujours jeune? L'amour. Monsieur, voilà de l'éloquence. Non, madame. Je veux dire ceci, que l'amour est immortellement jeune, que les façons de l'exprimer sont et demeureront éternellement vieilles. Les formes usées, les redites... C'est l'embeau de roman qui vous sortent du cœur, on ne sait pas pourquoi. Tout cet entourage, tout cet attirail, c'est un cortège de vieux chambellans, de vieux diplomates, de vieux ministres. C'est le caquet de l'antichambre d'un roi, tout cela passe. Et ce roi-là ne meurt pas. L'amour est mort, vive l'amour. L'amour? L'amour. Et quand même, on ne ferait que s'imaginer... Donnez-moi l'écran qui est là. Celui-là? Non, celui de Taffeta. Voilà votre feu qui m'aveugle. Quand même, on ne ferait que s'imaginer qu'on aime. Est-ce que ce n'est pas une chose charmante? Mais je vous le dis, c'est toujours la même chose. Et toujours nouveau, comme dit la chanson. Que voulez-vous donc qu'on invente? Il faut apparemment qu'on vous aime en hébreu. Cette Vénus qui est là sur votre pendule, c'est aussi toujours la même chose. En est-elle moins belle, s'il vous plaît? Si vous ressemblez à votre grand-mère, est-ce que vous en êtes moins jolie? Bon, voilà le refrain, joli. Donnez-moi le coussin qui est près de vous. Cette Vénus est faite pour être belle, pour être aimée et admirée. Cela ne l'ennuie pas du tout. Si le beau corps trouvé à Milo a jamais eu un modèle vivant, assurément cette grande gaillarde a eu plus d'amoureux qu'il ne lui en fallait. Et elle s'est laissée aimer comme une autre.
comme sa cousine Aspasie, comme Astarté et maintenant Lescaut. Monsieur, voilà de la mythologie. Non, madame. Mais je ne puis dire combien cette indifférence à la mode, cette froideur qui raille et dédaigne, cet air d'expérience qui réduit tout à rien, me font peine à voir une jeune femme. Vous n'êtes pas la première chez qui je les rencontre, c'est une maladie qui court les salons. On se détourne, on bâille, comme vous en ce moment. On dit qu'on ne veut pas entendre parler d'amour. Alors pourquoi mettez-vous de la dentelle? Qu'est-ce que ce pompon-là fait sur votre tête? Qu'est-ce que ce coussin-là fait dans votre main? Je vous l'avais demandé pour le mettre sous mes pieds. Eh bien, y voilà. Et moi aussi. Et je vous ferai une déclaration. Bon gré mal gré, vieille comme les rues, bête comme une oie, car je suis furieux contre vous. Voulez-vous me faire la grâce de vous ôter de là, s'il vous plaît? Non, il faut d'abord que vous m'écoutiez. Vous ne voulez pas vous lever? Non, non et non, comme vous disiez tout à l'heure, à moins que vous ne consentiez à m'entendre. J'ai bien l'honneur de vous saluer. Marquise, au nom du ciel, vous me rendrez fou. Vous me désespérerez. Cela vous passera au café de Paris? Non, sur l'honneur. Je parle du fond de l'âme. Je conviendrai tant que vous voudrez que je n'étais entré ici sans dessein que pour vous voir en passant, et moi c'est cette porte que j'ai ouverte trois fois pour m'en aller. La conversation que nous venons d'avoir, votre froideur, vos railleries même, m'ont entraîné plus loin qu'il ne fallait peut-être. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui seulement. C'est du premier jour où je vous ai vu que je vous aime, je vous adore. Cela fait plus d'un an que je vous adore, je ne songe... Adieu. Vérité que cette porte est glaciale. Ah, Marquise, vous vous moquez de moi? Vous voilà debout. Oui. Et je m'en vais. Pour ne plus jamais vous revoir. Venez ce soir au bal, je vous garde une valse. Jamais. Jamais je ne vous reverrai. Je suis au désespoir, je suis perdu. Qu'avez-vous? Je suis perdu. Je vous aime comme un enfant. Je vous jure, sur ce qu'il y a de plus sacré au monde. Adieu. Je suis celui qui sort. Madame, restez, je vous en supplie. Mon Dieu, je sens que je vais souffrir. Mais enfin, monsieur, qu'est-ce que vous me voulez? Mais madame, je désirerais... Quoi? Car enfin, vous m'impatientez. Vous imaginez-vous que je vais être votre maîtresse et hériter de vos chapeaux roses? Je vous préviens qu'une pareille idée fait plus que me déplaire, elle me révolte. Vous, Marquise, grand Dieu, mais s'il était possible, ce serait ma vie entière que je mettrais à vos pieds. Ce serait mon nom, mais bien mon honneur même que je voudrais vous confier. Moi, vous confondre un seul instant, je ne dis pas seulement avec ces créatures dont vous ne me parlez que pour me chagriner, mais avec aucune femme au monde. L'avez-vous bien pu supposer? Me croyez-vous si dépourvu de sens? Mon étourderie ou ma déraison a-t-elle donc été si loin que de vous faire douter de mon respect? Vous qui me disiez tantôt que vous aviez quelque plaisir à me voir, peut-être quelque amitié pour moi. N'est-il pas vrai, Marquise? Pouvez-vous supposer qu'un homme si distingué par vous, que vous avez cru digne d'une si précieuse, d'une si douce indulgence, ne saurait pas ce que vous valez? Suis-je donc aveugle ou insensé? Vous, ma maîtresse, non pas, mais ma femme. Ah? Mais si vous m'aviez dit cela en arrivant, nous ne serions pas disputés.
certainement, j'en meurs d'envie. Je n'ai jamais osé vous le dire, mais je ne pense pas à autre chose depuis un an. Je donnerai mon sang pour qu'il me soit permis d'avoir la plus légère espérance. Attendez, vous êtes plus riche que moi. Oh mon Dieu, je ne le crois pas. Et puis, qu'est-ce que cela vous fait? Je vous en prie, ne parlons pas de ces choses-là. Votre sourire en ce moment me fait frémir d'espoir et de crainte. Un mot, par grâce, ma vie est dans vos mains. Eh bien, je vais vous dire deux proverbes. Le premier, c'est qu'il n'y a rien de tel que de s'entendre. Par conséquent, nous causerons de ceci. Ce que j'ai osé vous dire ne vous déplaît donc pas? Mais non. Et voici mon second proverbe. C'est qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Or, voici trois quarts d'heure que celle-ci, grâce à vous, n'est ni l'une ni l'autre, et que cette chambre est parfaitement gelée. Par conséquent, vous allez me donner le bras et nous allons aller dîner chez ma mère. Après quoi, vous irez chez Faussin. Chez Faussin, madame, et pourquoi faire? Ma bague. Ah, c'est vrai. Je n'y pensais plus. Eh bien, votre bague, marquise? Marquise, dites-vous? Eh bien, justement, sur ma bague, il y a une petite couronne de marquise. Et comme cela peut servir de cachet. Dites donc, comte, qu'en pensez-vous? Il faudra peut-être ôter les flancs. Je vais mettre un chapeau. Vous me comblez de joie. Comment vous exprimez? Enfermez donc cette porte. Cette chambre ne sera plus habitable.